et aimez Omoussagne. Voulez-vous prendre pour Richard Amadjim, pour être votre Richard Amadjim, de l'aimer et de la chérir, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Richard Amadjim, acceptez-vous de prendre et aimer Omoussagne, pour être votre bien-aimé, de l'aimer et de le soutenir, de le chérir tous les jours, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare dès aujourd'hui, mari et femme, vous pouvez embrasser votre épouse. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Just keep us here since Chamon dey wait. I better get Chairman now. Boss, I greet you. My name na Abino, but they call me Pepe Dengang. Salut chérie. Et qu'est-ce que cela peut être? Une surprise? D'accord, je serai là bientôt. À tout à l'heure. Au revoir, chérie. D'accord. Bébé. Bébé. D'accord. Bébé. Bébé. Rachel, depuis que tu es venue dans ma vie, c'est comme si le Seigneur lui-même avait envoyé un ange dans ma vie. Tu es venue et tout a changé. Je ne sais ce que je ferais sans toi. Je ne veux plus sortir sur cette terre sans toi dans ma vie. Je t'ai reçu dans mon cœur. Je t'aime profondément. Veux-tu être ma femme? Veux-tu être la mère de mes enfants? Rachel, veux-tu m'épouser? Oui, 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 je le veux. Devine quoi, Kamsi? Denis vient de me demander en mariage. Merci. Oui, bien sûr. Oh, je suis impatiente. Merci. Je te rappelle. Je suis contente. Au revoir, je t'aime aussi. Oh mon Dieu, je suis fiancée. Ok. Qu'est-ce que c'est non? Waouh. Bébé. Bébé, puis-je te parler pour une minute, s'il te plaît? Peux-tu attendre après le jeu, s'il te plaît, chérie? Je suis désolée, je ne peux pas attendre. J'ai vraiment besoin de ton aide dans ça. Ok, vas-y, chérie. Je peux? Oui, vas-y. Je voulais te demander, préfères-tu un mariage à 4 ou bien un mariage grandiose? Bébé, comme tu me connais, non? J'aurais aimé que ce soit un mariage à 4. Mais comme tu voudras, c'est d'accord. Moi aussi, j'aime le mariage à 4. Mais tu connais comment ma tante est. Elle ne va jamais accepter un mariage à 4. Et en plus, tous ses parents vont vouloir venir. C'est sûr et certain. Et par rapport à la date du mariage, veux-tu que ça soit au plus tôt ou un peu plus tard? Bébé, tu sais que je voyage la semaine prochaine. Dès que je reviens de mon voyage, nous allons choisir les jours. Faisons-le comme ça. Eh bébé. C'est une faute, non, mais non, voyons. Bébé, je suis désolé. Vraiment? Désolé, c'est une faute. Ça va. Je dois aller me changer. Je vais à l'église pour le culte de la semence. Cela ne m'étonne pas de toi. Toi, vous êtes un. Je ne serai pas surpris. Pourquoi dois-je manquer? Je me sens totalement complet quand je suis. Sérieux? Tu veux dire que je ne te complète pas? C'est pas ce que j'ai dit. Es-tu en train de te comparer à Dieu? Bien sûr, tu me complètes. Mais Dieu me complète. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, à ce point. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé, chérie. Je suis désolé. Rachel. Kamsi, comment tu vas? Je vais bien, merci. Quand finiras-tu avec ton examen de fin d'année? Je peux imaginer la joie. C'est comme ça tous les étudiants de la dernière année se sentent. Je suis impatiente. Tu sais, je me marie avec l'amour de ma vie. Ah, bien. Il a voyagé et il sera de retour dans une semaine. Tu n'es même pas sérieuse. Et comment va la tante? C'était quand la dernière fois que tu l'as visitée? J'imagine, cette femme est... Tu me racontes? Je lui ai parlé de ma demande en mariage et elle était tellement contente. Elle a dit qu'elle fera sa recette ce jour-là. C'est la raison pour laquelle je... Oui, ça va. Je viens juste d'avoir la vertige tout d'un coup. Je pense que c'est le stress. Il y a beaucoup confectionné d'habits pour mes clients ces jours-ci. Ça va, je vais arrêter de me stresser. D'accord? Quoi? Comme si tu vas me tuer enceinte. Ok, tu ne sais même pas que Denis et moi faisons les choses de non-sexe avant le mariage. Tu dis? Comme si. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne fais pas la même chose avec ton petit ami? Cette conversation n'est pas terminée. Allô, madame. Je suis vraiment désolée, madame. Je suis malade depuis quelques jours. Oui, madame. Espérons, madame, que je me porterai bien bientôt. D'accord, d'accord, madame. Alors bébé, mais depuis hier, j'ai recommencé à me sentir mal. Et je tousse beaucoup aussi. À l'hôpital? Bien sûr, j'irai demain. Et quand est-ce que tu reviens? Pourquoi? Mais tu y es déjà pendant presque 2 semaines maintenant. Je vais bien. Donc, docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Rachel, je suis vraiment désolé pour ce que je vais te dire. Quoi? Tu es atteint d'une maladie chronique. Qu'est-ce que c'est? Le cancer. Le cancer du sang. De niveau 3. Tu dois commencer le traitement le plus tôt que possible. Le cancer, c'est au niveau 3. Tu dois commencer un traitement le plus tôt que possible. Rachel. Désolée, que venez-vous de dire? Tu as un cancer et tu dois commencer le traitement. Assez, arrêtez s'il vous plaît de dire ça. Je n'ai pas le cancer. Le cancer ne peut pas survivre dans mon corps. Vous savez pourquoi? Parce que je suis remplie du Saint-Esprit. Je sers le Dieu vivant et lui seul a le dernier mot. Non, c'est le résultat des tests. Rachel, je sais comment tu te sens, mais s'il te plaît, tu dois commencer ta thérapie. Je rejette la thérapie. Je rejette le cancer. Ce n'est pas ma portion. Je n'ai pas le cancer. Rachel, tu dois commencer la chimiothérapie le plus tôt que possible. Ce n'est pas ma portion. Je n'ai pas le cancer. Tu es menteur. Toi et le résultat du texte. Je n'ai pas le cancer. Rachel, tu dois commencer ton traitement maintenant. Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je ne mourrai pas, je n'ai pas le cancer. Écoute ma prière, ô Seigneur, et ôte ce lourd fardeau de moi. Donne-moi une guérison totale. S'il te plaît, sauve mon âme de la distraction. S'il te plaît, sauve-moi, Seigneur. Je ne veux pas mourir. Guéris-moi. Enlève cette maladie qui est venue envahir mon âme. Je ne veux pas mourir jeune, s'il te plaît. Je t'invite, Seigneur, dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés et renouvelle-moi. Je ne mérite pas cette maladie, Dieu. Je sais qu'un miracle peut venir de toi. Tu es tout ce que j'ai, mon Père dans les cieux, mon protecteur, le roi des rois, le Dieu que je sais qui n'échoue jamais. Écoute mes pleurs, ô Seigneur. Enlève cette maladie de moi. Guéris-moi totalement, s'il te plaît. Toi qui permets aux aveugles de voir, tu es le même qui fait marcher les boiteux et ressuscite les morts. Mon cas ne sera pas différent. Je crois à tes miracles. Je crois en ta guérison totale. Je prie pour la guérison, oh mon Dieu. S'il te plaît, ne me prends pas ma vie. S'il te plaît, ne me prends pas ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je suis à prier. Amen. Qu'est-ce qui te trouble le cœur, ma fille? Quelle que soit la situation, Elle n'est pas plus grande que le nom du Seigneur que nous servons. Car le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y courent et y sont en sécurité. Sœur Richard, qu'est-ce qui trouble ton cœur? Le docteur a dit j'ai la leucémie. Et c'est à la phase 4. Si je ne commence pas le traitement plus vite, je peux mourir, pasteur. Je ne veux pas mourir. Non, non, non. Regarde, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vois, la Bible dit, qui s'appuie sur le Seigneur ressemblera au mont Sion. Et à quel rapport allons-nous croire ici? Le rapport du médecin ou le rapport du Seigneur? Je peux vous assurer que la main puissante du Seigneur vous guérira. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et infinité. Vous ne mourrez pas, mon cher. J'ai besoin que votre foi soit forte. Laissez-moi prier avec vous. Père Tout-Puissant, je prie pour votre fille en ce moment. Je prie pour sa guérison au nom de Jésus. Que tout cancer du sang soit lavé par le sang du Seigneur. Le sang de Jésus, qui parle de meilleures choses que le sang de Ramaboul. Que ce sang soigne tes infirmités au nom puissant de Jésus. C'est bien avec toi, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Tu es guéri, au nom tout-puissant du Seigneur. Nous ne croyons pas au rapport du médecin, nous croyons au rapport du Seigneur. Et ce rapport dit que tu es guéri, au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu sois forte, tout ira bien. Non, 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 non. Oh Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne m'éloigne pas de ma soeur. Elle ne pourra pas supporter ça. Oh Dieu, c'est tout. S'il te plaît, sauve-moi. Je sais tout ce qu'elle a. Oh Dieu. C'est trop Dieu. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, Dieu. Sauve-moi, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, ce nom que j'appelle quand il s'agit de ma faim, tu es le seul que j'ai. Tu es ma mère, tu es mon père. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie maintenant. Viens, enlève cette maladie qui est venue me consumer, qui est venue me tester. Seigneur, tu l'as déjà fait et tu le feras encore. Je prie pour la guérison, oh mon Dieu. Je prie pour la guérison totale. Je prie pour le pardon. Je prie que tu viennes me libérer. Père Seigneur, tu as dit que tout ce que nous te demanderons, tu nous le donneras. Père, je te demande la guérison. Enlève cette maladie de moi. Enlève cette maladie démoniaque de moi. Je suis un enfant de Dieu. Et je sais que tu peux le faire. Je suis avec toi à mes côtés. Je serai guérie. Écoute mes prières, Seigneur. Écoute mes prières, Seigneur. Écoute mes prières, Seigneur. Écoute mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rachel, qu'est-ce qui se passe, Rachel? Rachel, docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec elle, docteur? Rachel a une maladie très chronique. Le cancer du sang. Quoi? Noël ne vous a rien dit? Noël ne m'a pas dit. Je n'ai aucune idée. Eh bien, après l'avoir annoncé cela, elle était dévastée. Et elle a refusé d'admettre cela. Elle a découvert cela dans mon bureau. Mais le problème est qu'elle doit commencer son traitement immédiatement. Son cancer est de niveau 4 et il a déjà envahi tout son corps. Oui, maintenant, se sentira-t-elle mieux? Je veux dire, ça sortira-t-elle? La vérité est qu'elle est dans un état critique. Alors, il ne faudrait surtout pas qu'elle fournisse trop d'efforts. Ce qui rend ça un peu difficile pour elle. Combien de temps a-t-elle, docteur? Sous la base du scan, je dirais 2 ou 3 mois. Elle pourrait même vivre plus longtemps, tout dépendra comment son corps réagira au traitement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allô? Tu dois venir tout de suite. Elle a besoin de... Tout ira mieux, ma chérie. À moins que deux passent. Où suis-je? Bébé. Ça va. Calme-toi. Quand est-ce que tu es revenu? Pourquoi suis-je ici? Calme-toi. La dernière chose que je me rappelle, j'étais dans mon appartement. Comment se fait-il que je suis arrivée ici? Bébé. Calme-toi, ça va, d'accord? Je t'avais trouvé couché au sol, donc je t'ai amené. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Je te dis quoi exactement? Que j'ai le cancer et que je mourrai bientôt? Peu importe. Tu devais me le dire dans tous les cas. Je ne veux pas que tu sois avec moi par pitié, d'accord? Tu ne mérites pas d'être avec une femme malade comme moi. S'il te plaît, arrête. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Va-t'en et vis ta vie, s'il te plaît. Arrête de dire des bêtises. Si tu ne voulais pas me les dire, il fallait au moins les dire à quelqu'un dans ta famille. Tu sais des personnes qui t'aiment et que tu sais qu'ils t'aiment. Nous t'aimons et nous venons être là pour... Je ne veux pas ta pitié, je ne veux pas... Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pitié de toi? Ou que je veux être avec toi par pitié? Non. Tu ne comprends pas, je suis mourante. Je veux me mourir dans bientôt. Non, tu ne mourras pas, arrête. Rachel. Tu es une personne très proche de Dieu et de sa justice. Tu montres un tout petit peu de foi. J'ai si peur. Ça va. Ça va. Pourquoi moi? Je vais mourir. Ça va, tu ne mourras pas. Ça va. Ça va aller. Alors, comment te sens-tu? Je ne sais même pas. Je comprends. Nous devons commencer la chimiothérapie très rapidement. je suis prête. Comment tu te sens, Rachel? Je vais bien. N'es-tu pas supposée en train de préparer ton examen de fin d'année? Pourquoi tu es ici? Comment tu veux que je me concentre sur mes examens alors que tu es ici dans cet état? Mais comme si tes études sont plus importantes. Non, c'est ta santé qui est le plus important. Bébé, je vais te laisser à ta soeur et à ta tante. Je voulais aller à la maison pour me débarbouiller. Ça va, tu peux aller à la maison. Tu es ici depuis si longtemps. Tu dois te reposer dans ton lit confortable. Ne t'inquiète pas pour moi. Tante Amaka et Kamsi prendront soin de moi. Merci. Nous sommes là. Ne t'inquiète pas, va à la maison. Je reviendrai dès que possible. Oui, il est... Mais... Il est triste parce que je ne serai pas sa femme. Je vais mourir bientôt. Arrête, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, Rachel. Dieu va forcément intervenir. Tu ne vas pas mourir. Aie la foi. Dieu va te guérir. Amen. Elle doit commencer le traitement très rapidement. Son cancer est de niveau 4 et ça envahit tout son corps. Oui. Père, pas elle. Pas du tout, s'il te plaît. Elle ne mérite pas. Elle est une bénédiction. S'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Les trucs, c'est que je les mets juste en pratique. Tu sais, croyant que tout ira mieux. Avoir une grande foi et regarder le contrat de Dieu. Tout ce que je veux que tu fasses est de croire. Mets tout ton être et Dieu le fera. Ok, merci. Malgré tout, tu es belle. Tu le dis juste. Non. Oui. Non. Toi, tu es la meilleure chose qui m'est arrivée. Ben, tu iras mieux, ok? D'accord. Bébé, arrête, bébé, arrête. Relax. Tout ira bien. Ça va? Ok. Calme-toi. Elle va bien. Oui, maman, elle va bien. Si vous remarquez quelque chose d'étrange ou d'inhabituel, faites-moi appel, ok? Oui, vous pouvez. Ok, veuillez m'excuser. Non, je n'ai pas faim. S'il te plaît, mange quelque chose. Fais ça pour nous, s'il te plaît. S'il te plaît, mange juste un peu. Mange quelque chose, s'il te plaît. doucement. Oui, doucement, 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 doucement. Qu'est-ce que c'est? Père, nous te remercions aujourd'hui pour ta fille. Nous laissons sa vie entre vos mains. Nous prions pour votre guérison tout au long de sa vie, au nom puissant de Dieu. Nous libérons ta main guérisseuse pour venir sur sa vie. Nous prions pour qu'un miracle se produise dans sa vie aujourd'hui. Toute maladie, infinité de maladies sont chassées au nom de Jésus. Nous prions pour vous par le nom puissant du Seigneur. Reçois ta guérison au nom puissant de Dieu. Nous chassons toute forme de maladie dans ton corps, du crâne de ta tête à la plante des pieds. Nous prions pour que la main guérisseuse du Seigneur vienne sur toi au nom de Jésus. Nous libérons son corps de toute infirmité de Satan. Chaque doigt de maladie sur son doigt, le Seigneur le chassera au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que votre guérison divine se manifeste dans sa vie au nom puissant de Jésus. Nous prions pour le Dieu qui fait des miracles, qui est un miracle de guérison dans sa vie. Au nom de Jésus, nous te donnons en cadeau. Merci. Pour cette guérison qui se manifeste, il est rendu permanent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions pour ta guérison. Excellent Père de grâce, je t'élève et je te rends grâce pour qui tu es et parce que tout ce que tu fais est bon. Je mets entre tes mains la vie de ma sœur Rachel, puisses-tu la guérir. Par tes meurtrissures, je sais que nous avons la vie. Par tes meurtrissures, je sais que nous sommes guéris. C'est pour ça que j'invoque le sang de ton fils Jésus pour guérir ma sœur Rachel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, et me conduit dans la justice. À cause de sa bonté, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car il me rassure. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Sûrement, ta bonté et ta miséricorde me suivront toute ma vie. Je demeurerai dans la maison du Seigneur à jamais. Elle aimerait bien ça. Je sais qu'elle aimerait bien. Mais ce qui m'inquiète, c'est sa santé. Je sais, sa santé me préoccupe aussi. S'il te plaît, je veux que tout se passe bien. Eh bien... la vérité est que les autorités ne seront pas contents. S'il te plaît. Je vous dirai de faire attention, mais je verrai quoi faire. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup, docteur, merci. Mais s'il vous plaît, soyez très prudent avec sa santé, ok? Merci beaucoup, je l'apprécie. Merci. Ok. Où allons-nous? Tu sais, si je te l'avais dit, ça n'aurait pas été une surprise. N'est-ce pas? Allons-nous-en. Ok? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je sais ce que tu veux dire, mais on ne doit pas être triste. On doit juste faire tout ce qu'on peut pour la rendre heureuse. D'accord? Bébé, tu ne m'as toujours pas dit là où nous partons. Comme je te l'ai dit, c'est une surprise. Et c'est une surprise que tu auras. D'accord. Ça, c'est ma musique. Oui, bébé. S'il te plaît, augmente le volume. Je me souviens de cet endroit. Tu vois, notre première rencontre. Salut. Je n'ai pas pu me passer de ton état. Désolée de me mettre dans ton intimité, mais est-ce que ça va? Puis-je? Regarde, quel que soit le problème est, Dieu va intervenir sûrement. Il n'y a rien de trop gros ou trop petit pour lui. Tu dois juste croire et tout ira bien. Dieu. Où était Dieu? Quand ma mère souffrait. J'étais là, le jour où elle mourait. J'aimerais que Dieu me le ramène. Je suis désolée pour ta perte. Je ne veux pas que tu sois désolée pour moi. Je ne veux pas que tu sois désolée. Dis à Dieu de me ramener. Écoute. Tout arrive pour une raison. Et je crois aussi. J'ai aussi perdu des personnes spéciales dans ma vie. Mes parents, ils sont décédés quand j'étais très jeune. Mais je n'ai jamais perdu l'espoir. Je n'ai jamais abandonné Dieu. Je ne pense pas que tu devrais. Attends, pardon. Peux-tu me dire comment tes parents sont décédés, si ça ne te dérange pas? Ah. Ils sont décédés dans un crash d'avion quand j'avais 15 ans et ma petite 10 ans. Je suis vraiment désolé. Ça va, c'est le passé maintenant. Et qu'est-ce qui est arrivé à ta maman? Ma mère a vraiment souffert. Elle était jeune, si jeune. Le pire, elle avait vraiment souffert. Le pire est que elle a vraiment souffert pour moi. Vraiment souffert. L'homme que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'elle. C'est triste, vraiment triste, qu'elle ne soit pas là aujourd'hui pour bénéficier de l'homme que je suis devenu. Je suis désolée pour ta perte. Désolée. Ok. Ça te dirait de prier avec moi? Juste pour une minute, je pense que ça t'aiderait à mieux te sentir. Dans le nom de Jésus, je prie. Tu sais, t'es rencontré la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es venu dans ma vie comme un ange. Tu m'as donné ton épaule pour pleurer, me connaissant même pas. Tu as sûrement permis cette rencontre. Oui, il a fait. Il a fait sur moi. Maintenant, tu es l'amour de ma vie. Et tu es l'homme de mes rêves. Je vais m'arranger pour que nos problèmes aillent loin de nous. J'espère que tu guériras pour qu'on vieillisse ensemble. Quand un aveugle dit, il va te lapider, c'est qu'il a son pied sur le caillou. Je crois toujours au miracle. Moi aussi. Tu es belle. Oh, attends. Oh, nous devons retourner à l'hôpital. Allons-nous-en. Allons-nous. Oh non. Nous devons partir. Doucement, doucement. Tu as profité. Bébé, tu dois te réveiller. Nous sommes presque à l'hôpital. Rachel. Bébé. bébé, Rachel, 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 s'il te plaît, ne me fais pas ça. Réveille-toi, Rachel. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rachel, Rachel, s'il te plaît. Rachel, s'il te plaît. Monsieur Adeyemi. Va-t-elle bien, s'en sortira-t-elle? Que s'est-il passé? Honnêtement, je ne sais pas. Nous avons fini, nous étions sur le chemin. Et soudainement, elle était sans vie. Assise sans vie. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit ça peut arriver. Je sais. Je sais. Je sais, docteur. Ira-t-elle mieux? Elle ne se porte pas bien. Elle est dans un coma. Quoi? Est-elle dans quoi? Coma? Oui, exactement. Il n'y a rien qui peut être... Pendant combien de temps sera-t-elle dans de telles conditions? Monsieur Adeyemi, si vous croyez au miracle, alors je vous conseille de commencer à prier. Parce que nous avons fini. Nous avons déjà tout fait. Nous avons tout essayé. Donc, commencez à prier. Ok? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais prévenu de ceci. Adeyemi, venez dans mon bureau. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Rachel ne se sent pas du tout bien. Et le traitement n'a aucun effet sur elle. Docteur, ne dites pas ça. Ce n'est pas vrai. Okay. Pas vrai. Je suis désolé. Arrête de dire désolé. Pour tout ce que nous avons essayé, elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je suis désolé. Arrête de dire désolé. Arrête. Fais quelque chose. Nous avons tout fait, nous avons tout essayé. Malheureusement, rien n'a marché, rien du tout. Docteur, s'il te plaît, encore plus. C'est ton travail de sauver des vies. Encore plus. Aide Rachel. Je suis désolé. venez à l'Éternel. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, dévote-la et je te la rendrai. Oh, montre-moi, montre-moi. Tu as bien fait, je sais, tu es la meilleure quand il s'agit de la Bible. C'était quand même facile. Ok, laisse-moi te montrer. Vraiment facile. Non, 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 regarde. C'est le verset regarde, 1 et 1. Regarde. Non, 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 on choisit Genèse. Choisis okay, un verset. Non, Matthieu. D'accord, nous allons. Faisons. Père, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Elle est la chose qui a plus de sens pour moi sur cette terre. Je t'en supplie de tout mon cœur. Ne me l'enlève pas. S'il te plaît. Alors dis-moi, comment tu me trouves? Tu es très belle, je vais dire, la robe te va très bien. Merci, parce que tu es la meilleure styliste que je connais. D'accord, arrête de faire mon éloge. Je ne te flatte pas. Quand je vais porter cette robe, tout le monde va me regarder et c'est pour ça que je dois m'en faire une autre. Attends, attends une minute, tu as dit quoi? Kamsi, sais-tu que j'ai laissé les habits de mes clientes pour te faire celle-ci et maintenant tu veux une autre? Ça c'est pas possible, ça ne va pas arriver. S'il te plaît. C'est quoi non? D'accord, je le ferai pour toi. S'il te plaît. C'est quoi c'est encore? S'il te plaît. Ok, c'est bon, je fais pour toi. Merci, tu es la meilleure sœur au monde. Je t'aime tellement. Tout ça parce que j'ai accepté de faire une autre pour toi, n'est-ce pas? J'ai vu un modèle. Laisse-moi prendre mon téléphone. Hé. S'il te plaît, rassure-toi que c'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Rassure-toi que c'est pas compliqué parce que j'ai pas le temps pour faire ce qui est compliqué. Kamsi. Cette fille, que de l'arnaque, que de l'arnaque. Seigneur, je t'en supplie, guéris ma soeur. Je ne veux pas qu'elle meure, s'il te plaît. Sauve-la, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Allô? Elle est réveillée. D'accord. Je me mets en route. Viens-tu de dire que j'ai dormi pendant des semaines? Comment? Ça n'a pas de sens. Je ressens tellement de douleur. Mais tu sais quoi? Je choisis de ne pas pleurer. Non, je ne veux pas passer mes derniers jours en larmes. Non, je ne ferai pas ça. Je veux que mes derniers jours soient heureux. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de vivre. J'ai eu la chance de vivre. La vie n'est pas mesurée par combien d'années tu dois vivre, mais par l'impact que tu as pu créer dans la vie des gens, spécialement ceux que tu aimes. Je ne veux pas être ici. Non. Je veux rentrer. Je ne veux pas être ici et connectée à ces rêves en prenant assez de comprimés qui n'arrivent même pas à travailler sur moi et qui ne me soulagent même pas. Non. Je veux rentrer à la maison. Ma maison me manque. Non. S'il te plaît. Je sois heureux pour moi. Ne pleure pas pour moi. Je veux dire, je veux vivre mes derniers jours avec les personnes que j'aime. Et chérie, tant. S'il te plaît, sois content pour moi parce que j'ai une merveilleuse famille. Ma soeur Kamsi est une bénédiction de Dieu. Et ma tante, tu seras jamais une tante heureuse. Et toi, l'amour de ma vie, j'ai eu la chance d'aimer et d'expérimenter le vrai amour. Donc, ne me laissez pas mourir ici. S'il vous plaît, ne pleurez pas, soyez heureux. Soyez heureux parce que j'ai vécu une vie heureuse. Je suis content. Je t'aime aussi. Denis, ça a été toujours mon rêve. Marcher sur le tapis rouge avec l'homme de ma vie qui est toi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Je suis content. Et je veux être ta femme, s'il te plaît. Si t'épouser sera la dernière chose que je ferai avant de mourir. S'il te plaît, laisse-moi avoir cette expérience. S'il te plaît, accorde-moi ce vœu. S'il te plaît. S'il te plaît, amène-moi à la maison. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Amène-moi à la maison. Merci. De rien. J'aurais aimé rester encore un peu plus, mais j'ai des occupations. C'est bon. Tante Amaka et Kamsi sont là pour prendre soin de moi. Juste va à la maison, te laver et faire certains de tes travaux et le plus important. S'il te plaît, repose-toi, d'accord? Tu es sûr? Bonne nuit. On se voit bientôt, d'accord? D'accord. Merci. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Il est... Ok. Je dois te laisser maintenant. Repose-toi bien. D'accord. Comme si... Oui? Nous avons beaucoup à faire à partir de demain. Oui, je sais. Pour l'instant, repose-toi. Bonne nuit. Merci. Je t'en prie. Tu as besoin d'aide? Non, allez, je suis pas si faible, je vais bien. Tu es sûre? Oui, je vais bien. Ok. Donc, pour la préparation du mariage, j'ai deux chambres, dont une au centre-ville et une autre à Ossé. Elles sont toutes les deux très belles, très spacieuses et pour le gâteau, tout est réglé. Waouh, merci beaucoup. Tu es si serviable. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. Alors, ceci va se passer. Oui. Je me marie. Enfin. Avec l'amour de ma vie. Oui. Ta robe de mariée. Quoi par rapport à la robe? Elle ne figure pas ici. On ne l'a pas. C'est parce que je voulais te surprendre. J'ai déjà ma robe de mariée. Waouh! Donc tu as acheté ta robe sans me dire à moi, ta sœur. Calme-toi! Qui t'a dit que j'ai acheté ça? J'ai confectionné moi-même. Oui, j'ai confectionné ma robe de mariée. Sérieux? Ok, donc tu dois me la montrer. Je suis impatiente de la voir. Ok, allons-y. Waouh! Elle est magnifique. Merci. Ok, maintenant tu dois l'essayer pour que je sache ce que ça donne sur toi. Attends, maintenant? Oui! Mais comment devrais-je porter? Par le pouvoir qui m'est conféré en tant que Kamsi, je t'ordonne de porter cette robe. Tu es vraiment sérieuse là? Oui. Maintenant? Maintenant, debout. Ça va, ça va, ça va, je vais essayer. You did blow my mind. Oui, maman. Un très bon travail. Oui, maman. Tu ressembles à un ange. Merci. Je t'imagine déjà marcher sur le tapis rouge. Tu es vraiment très belle. Vraiment? Comme une déesse. Arrête ça. Tu n'es pas sérieuse. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu sourire. C'est beau. Tu es magnifique quand tu souris. Merci. C'est comme ça que je veux que mon dernier jour sur terre soit. Pas de tristesse. Pas de larmes. Juste le rire et la joie. Hey. Oh, Kamsi. Allez, je viens de dire que pas de larmes. Oui, c'est vrai. S'il te plaît, juste sois heureuse pour moi. Ok. Tu es très belle. Merci. Je suis impatiente de voir Denis à l'église. Ok, tante. Merci. Aimé Omoussagne, voulez-vous prendre Richard Amadjim comme époux légitime, de l'aimer et de la chérir, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Frère Richard Amadjim, acceptez-vous de prendre Aimé Omoussagne pour être votre époux bien-aimé, de l'aimer et de le soutenir tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare? Je le veux. Vous pouvez maintenant échanger les alliances qui sont symboles de votre amour l'un pour l'autre. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! C'est beau. Pouvons-nous avoir le tien qui est symbole de l'amour et veut aujourd'hui, dans le nom du Père et le Fils et l'Esprit Saint. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare dès à présent mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser votre épouse. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Non. Je t'aime plus beaucoup. Tu seras toujours mon amour. Rachel, Rachel, Rachel. Nous sommes là aujourd'hui pour le revoir de notre sœur Rachel Amadjim. Elle était une bonne chrétienne. Elle aimait Dieu. Une vraie amie. Une croyante en Christ. Une femme. Jusqu'à ce que son heure sonne. Aucun doute. Elle va manquer tous ceux qui l'ont connue. Mais nous prions. Que notre Dieu Tout-Puissant et Sauveur lui accorde une place à la droite du Père. Que son âme repose au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute Kamsi, tout ce que je le fais pour toi, tu le sais déjà. Donc je veux que tu te concentres, étudie beaucoup, comme ça tu seras la meilleure et tu me rendras heureuse. Pas juste moi, rends nos parents fiers. J'aurais aimé qu'ils puissent te voir à quel point tu es devenu. Et je crois que tu ne vas pas nous désobéir. Je te le promets, tu seras fière. Et je serai majeure de promo. C'est ça. Tu vas me manquer. Sois fort. Le Dieu Tout-Puissant va te donner la force. Sois fort. Merci beaucoup. Tu l'as vraiment aimé. Tu l'as aimé de tout ton cœur. Et tu as montré que le vrai amour existe vraiment et il n'a pas de frontières. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci et que Dieu te bénisse. Sois fort. Le Dieu Tout-Puissant va te donner la force. Au revoir. Sois fort. Elle t'a aimé de tout son cœur. Je l'aime encore plus. Elle t'adorait. Elle m'a demandé de te remettre ça. Quand est-ce qu'elle t'a donné ça? La veille du mariage. Les jours où tu l'as accompagnée dans mon appartement. Oh, wow! Salut! Aïe. Ok. Salut, bien. C'est une surprise. C'est une surprise. Tu ne devrais pas venir me voir. Si tu voulais, tu allais juste me faire signe, j'allais passer à l'hôpital. Moi, je vais m'en aller. Si vite, tu ne veux rien boire. Non, je suis juste venue l'accompagner. D'accord. Rachel, quand tu seras prête, fais-moi signe pour que je vienne te chercher, ok? Au revoir. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui est si important pour que tu cherches à me voir? Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. D'accord, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de très important. C'est une lettre. Je veux que tu donnes ça à Kamsi quand je serai partie. S'il te plaît. Je préfère que ça soit à mes funérailles. S'il te plaît, Denis. S'il te plaît. Ceci est tellement important pour moi. Vraiment besoin que tu me promets que tu vas remettre ça à Kamsi, s'il te plaît. S'il te plaît, promets-moi que tu le feras. J'ai vraiment, vraiment besoin que tu me promets. Demi. S'il te plaît. Il y a une autre chose encore que je veux que tu fasses pour moi. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Couche avec moi. Je pense qu'elle savait que c'était la fin. Oui, je pense aussi qu'elle le savait. Parce qu'elle m'a aussi donné une lettre pour toi. Elle voulait que je te remette ceci. Merci. Merci d'avoir pris soin d'elle comme tu l'as fait. Tante Amaka et moi, on va quitter la ville d'ici là. Parce que tout ce qu'il y a ici nous fait penser à elle. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. Chère Kamsi, la meilleure sœur dans le monde entier, je sais qu'au moment où tu liras cette lettre, je ne serai plus là, je serai avec maman et papa au paradis. Je sais que ma mort ne sera pas facile pour toi, Kamsi. Je sais que tu es une femme forte et tu pourras traverser tout cela. Certes, je serai partie, mais je serai toujours avec toi. Nous avons les anges qui veillent sur nous. Tu es si chanceuse et je veux que tu n'abandonnes jamais tes rêves. Tu es remplie de succès et donc rends-moi fière. Le plus important est que tu n'abandonne jamais Dieu. Je t'aime, Kamsi. Allez. Cher Denis, l'amour de ma vie, tu rends l'amour plus facile pour moi. J'aime ta patience et aussi ta manière d'aimer et prendre soin de moi aussi. Tu n'as jamais laissé ta main, même lorsque tu pouvais le faire. Tu as même épousé une femme malade. Les mots ne peuvent exprimer combien de fois je t'aime. Tu es mon vrai amour. et je veux que tu fasses une grande faveur pour moi. N'abandonne pas. Te connaissant, je sais que tu chasseras tout le monde et tu vivras seul. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux que tu vis ta vie. Vis ta vie, d'accord? Vis-la et profite bien d'elle. Parce que l'on vit seulement qu'une fois. J'ai vécu la mienne, donc vis la tienne, bébé. Dans cet élan, je veux que tu trouves l'amour encore. Parce que c'est la plus belle chose que l'on puisse avoir. Je t'aime maintenant. Et je t'aimerai toujours. Je veillerai sur toi d'ici. Et n'abandonne jamais Dieu. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui maintenant plus que jamais. Que ta foi amplifie. Merci beaucoup pour tout. Tu vas me manquer. On se verra encore. Au revoir. Ça fait 2 ans que tu es partie. Ça a été vraiment difficile. Mais je rends grâce à Dieu pour tout. Il m'a guérie. Et je suis plus proche de lui comme jamais auparavant. Je suis sortie majeure de promo. Je viens de finir mon service à la jeunesse. C'était intéressant. Tant Amaka a trouvé l'amour. Tu peux croire ça? Je suis sûre que tu es aussi surprise que moi. Je suis contente pour elle. Mais tu lui manques énormément. J'ai aussi trouvé l'amour. Quoique nous n'en sommes qu'au début. Mais quelque chose me dit que c'est le bon. J'ai perdu de vue des amis. Ça fait longtemps que j'ai eu de ces nouvelles. Tu me manques énormément. Tu me manques tous les jours. Salut. Waouh, tu viens toujours ici ? Justement, je parlais de toi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu as bonne mine. Merci. Et toi aussi. Merci. Mes félicitations pour ta remise de diplôme. Merci. Je suis désolé de ne pas avoir félicité avant. Parce que lorsque j'ai vu le poste, j'avais pas le courage de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas grave, je comprends. Donc tu viens toujours ici? Oui, j'aimerais bien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je préférais lui apporter cette... Ok. Je vais te laisser pour que tu puisses avoir ton moment. Tu as toujours le même numéro, n'est-ce pas? Oui, je veux. Ok, on garde le contact et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ça sera un plaisir. Ok. Donc, au revoir. Je suis sûr que tu célèbres au ciel. Ces 10 dernières années a été a été dur pour moi, mais je me suis en sorti parce que j'ai senti ta présence autour de moi. J'ai quitté mon travail, j'ai monté mes propres affaires. C'était dur au début. J'ai eu un gros contrat pour lequel je n'étais pas là un moment. Les choses se passent bien, bien même. J'ai quelque chose à te dire. Je suis sûr que tu le sais déjà, mais j'ai trouvé quelqu'un. Je veux que tu le saches.